bataille pire est toujours entre KPT avec Gary Koni. Baba nous menti mes amis pendant que bandi a tué mon Solino, bandi a fait et l'appeler les boutons dans et dans sa vie dans Akaye, c'est vrai la police a fait quelques coups mais Baba menti désir et bataille KPT avec Koni ça son qui tête chargé désir puisque n'apprendre que gien là la té gon réunion là voilà on travaille entre KPT avec Koni et je n'étais vendredi hein. Eh bien, KPT a retourné sur question de l'émanement ministériel. Et Koni dit, pas de bagaille comme ça. Pas de bagaille comme ça, dit tout mon frère. Eh bien, ça, il a commencé à mettre, puis gros bouche, le vin en Désir. Ambassade américaine va aller dans le dossier question de l'hélicoptère qui se voit là. En tout cas, Gavin avait détaillé ça au désir. Et semble l'ambassade de Denis Hankins parler des questions, contact, relation avec gang, ambassade de avec gang, désir. En tout cas, mon frère, soit qu'il y a un jacouto. La situation modèle situation qui gagne dans le pays, il y a des cassé, il y a des inquiétudes chaque jour, il y a augmenté par rapport avec ensemble monde qui vous attendez, qui de connivence, qui gagne responsabilité. Dans la question gang dans le pays d'Haïti, la situation chaque fois qu'il y a un brin espoir apparaître, eh bien, il y a une autre tentative d'éteindre parce que ouais, c'est plus difficile, bagaille à vin, plus difficile. Population hacheloise, il y a pris disposition dans tout petit coin pour protéger la caillou, il y a dit, pas courir sur le monde. Yo pas couru pour moun. C'est vrai qu'il y a un pile moun qui quitte Akaye, surtout ça qui a basage, parce que bon petit vagabond, bon petit criminel qui dans 5 secondes, qui font vidéo, qui publie, qui dit le pral touye, même petit bébé, même chien, même cabrit que le jeune, li pral assassiné dans Akaye. Elle déclare, li habitué faire ça déjà. Ou alors, qui niveau qu'on est senti confortable, des personnes en milieu de li compte touye petit bébé. C'est bal tête qui la baille tout le monde. Et malheureusement, que ouais, sans coucha, sans vergogne, qui n'a pris matchi, qui n'a conseil présidentiel de transition, toute folie, c'est que plus pouvoir, ou y'a qu'à voler plus dans l'État, ou y'a qu'à faire plus gros complot contre population. Malheureusement, ensemble, institutions régaliennes et régaliennes que nous gagnons dans le pays, y'a fin crasé, parce que c'est des nègres sans éthique, c'est des nègres sans morale et sans moralité, disons que y'a metté là-dedans. Parce que si t'as une moralité, les personnes, nous garantissons, ça qu'a passé là, l'IPAT a privé. Yon l'autre bon, gen organisme droits humains, organisation kap défend droits moun yo, qui continue à goumen, qui te fait sitting devant konsil la République Dominicaine, qui t'al devant, qui la d'accueil tout, qui t'al délivre message pour exiger autorité yo, pour yon prendre responsabilité yo, pour yon réintégrer et gérer yon jan dans le conseil électoral provisoire. Ouais, ça qui est là, c'est même groupe Mounsayo qui t'a dit li impossible pour élection te organisé sous Jovenel Moïse et puis c'est Mounsayo qui a goumé jodi. C'est Mounsayo qui a goumé. Malgré ça, il a comme sécurité comme situation. Il n'y a pas de faire pour demander pour voir comme si et prendre toute solution pour capable et résoudre la sécurité. Non, mais il y a manifesté pour capable intégrer femmes, intégrer et doit assumer dans le conseil. Alors que si je dis là, il y a fait même mobilisation ça devant Villa d'accueil, devant Villa et résidence PM, devant tout commissariat, il y a demandé avec les policiers, demandé avec Mounio, ben au sécurité, moi je suis ici à Ténécha, et bien il y a devant ambassade, yo, ambassade Canada, ambassade et la France, et puisque les États-Unis difficile devant notre bois, parce que vous comprenez, mais ambassade, nous connaissons côté Geko, côté Gebinu, côté côté ça, nous avons devant, nous avons demandé, nous avons exigé, monsieur et certes, je dis, tu as déjà un bagage qui dit clair, au lieu que je dis, et vous m'en avez fait, nous avons demandé, et que doit assumer, et que forme en de la ça désir. La situation, dossier Jovenel Moïse a refait si face. En pile nèg qui dans secteur privé des affaires, en pile nèg qui dans politique en dans pays a, nèg yo commencé gen vote mené dans langage grand mondial. Nèg yo an rien commencé pas karité dans vote nèg yo. Parce que pas oublier, la valas. Li pratiquement gen en vengeance que on envie faire la blesse personne. Il a réactivé dossier Petro-Caribe, il a réactivé dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse pour kabay en série de nèg bout de terrain pour kab grand nèg parce que gen nèg qui sous cette là qui te fait 2004 contre Jean-Bertrand Aristide Blaise Tesson. Donc tout ça, qui est-ce qui a besoin de bénéficier? Est-ce que c'est la population ou bien c'est la population qui continue dans couille parce que pas rien? Possibilité pour casque blé tourner dans le pays encore. Après attaque qui fait sous hélicoptère Nations Unies, il y a un pile gros réunion qui a fait à travers l'ensemble des pays qui sont membres de Nations Unies pour discuter comment, qui genre, il y a pris un dispositif malgré la Chine. Malgré la aussi, yo campé en maître conseil, yo campé en maître monde, pour yo monter que yo plus remé Haïti, yo pas d'accord question déploiement, mission, médecin de la paix, que l'ONU t'a de diriger par rapport
avec quantité de gars que mission l'onisienne yo fait en dans pays d'Haïti déjà les personnes. Gen diverses lignes aériennes. JetBlue, Spirit, yo annoncé que yo campé vol yo sous pays d'Haïti ou jusqu'à dimanche cap vini par rapport avec balle que hélicoptère Nations Unies bandi dans troisième circonscription t'est lancé contre hélicoptère sa les personnes. La police pratiquement gen une campagne enragée cap fait à l'encontre de yo. Après, yon information, après 11 âmes qui ont été fin publié, ou de Dieu te fait opération, non, ça vient, et les mounions à chercher, yon est 11 âmes qui pratiquement te posté, et sous Google, qui pas même, gen rapport avec Haïti, que monsieur te posté, PNH a te couru bien rapide, blesse personne, à le retirer, information ça, qu'elle te mette, sous compte officiel, yon blesse personne. Bon, des Ivenes, nous allons laguer pour des bons là, parce que je dis en bas, c'est que, et mon yon pral tende en pile analyse, et bien, nous allons avec deux réactions pour yon. Pas oublier que, de ces complots, et pour assassiner un CP, alors, assassiner un actuel PMP, yon. En plus, mon gars, ça comme jouet, Blaise. En plus, mon gars, ça comme jouet. Le divinis justice, c'est pas dans la radio, t'as bien dit. Eh bien, qui Carlos? C'est l'action publique qui t'a mis en mouvement pour marrer les qui n'ont complot. Eh bien, nous avons fait Carlos et Culture habitué dans l'émission parce que c'est lui-même qui dit à faire. C'est lui qui connaît qui a fait le tour. Et il y a des bonnes informations, des complots qui ont fait pour assassiner PM. Nan. Et il dit, il y a pas de sérieux parce que c'est là, blague sur Jovenel qui veut que je dis à Betty Jovenel. Parce que l'été gen on dit cortège Jovenel qui t'est frappé qui t'est bagaille nèg de Dieu et tes Jovenel qui t'a arrangé ça on bagaille des c'est pour dire Jovenel jusqu'à ce que 27 juillet 2021 et bien selon Carlos Hercule il fait connait que et il prend ça très au sérieux et pas prend ça à la légère que donc je dis hein faut comprendre que et dossier plan pour assassiner PM Gaye Kounilan et bien Carlos Hercule prend le très au sérieux et il croit que je dis hein il a essayé garder et même comment il est capable river poser action avec situation ça dans dossier Jovenel Moïse qu'on parlait à Blaise Claude Joseph cap pour mauvais tap tomber la va là dessus. Ah, dans des combats, comme je dis, je dis, et ministère de justice et de ce dossier, je demande pour essayer de voir un bagage qui est demain qui fait de bon côté et pour capable de gérer Claude Joseph, gérer un certain de gérer la guerre civile, et bien, comment, n'est-ce que j'appelle là, oui? Et ma qui ça? Exactement. Le next, c'est comme quoi m'a dit que, et bon, j'ai qu'à faire là, vous avez dit bon, ordonnance que je suis Walter Wissé, Walter Terran, non, c'est comme quoi ordonnance à Degeti Baye la donne, que next, je pas ce qui est vrai. Blaise, à moins que Claude Joseph, lui rené lucide, lui fait partage, lui pas négocier rien, lui pas mettre pièce pression dans 5 mois, les six Walter là. Pas oublier Claude Joseph. T'es dans bataille contre Jean-Bertrand Aristide. En 2004. 2004, yo, Blaise Peterson. La valasse pas pardonné ou. La valasse prenne en vengeance, Blaise Peterson. Yo, y a vengé Claude Joseph. Et ça fait Claude Joseph, quand tout dernier moment, yo, il s'est arrangé col pour le faire silence, pour le mettre le tout petit, Blaise Peterson. Yeah, ça c'est clair. Parce que, ou t'es connu senti récemment que, et t'es connu bibré ça avec Claude Joseph, n'a pas défait que PD, écrit, PD, tout qui m'en bagaille. Mais je dis, on a senti que, eh bien, pas gagné trois bagages qui ont côté Claude Joseph. Parce que pas oublié, mais comment est-ce que tu vois comment je dis à tout Jésus? Comment est-ce que je dis? Mais bah, un problème, non? Pour que, comme c'est là-bas, là, qui gagne et coordination conseil avec Leslie Voltaire. Et c'est Lavalas qui va gagner encore après avec Fritz Alphonse Jean. Parce que Alphonse Jean, c'est Lavalas. Il reste sur ça. On est d'accord, Montana. Fritz Alphonse Jean, c'est Lavalas que lui. Lavalas modéré. Il est gouverneur de Central. Nous, on est tous disant de gagner ce bagage ça. Et Mekounia, ça va, nous comprenons qu'on est tout. Puis, Lavalas inscrit le bagage et tout. Et après, on prend le bon temps passé avec un ensemble de bagages. Alors que ça qui est important, je dis, que comme si vous devez mettre, il faut qu'il se va mettre. Non, mais Blaise, attendez, plus KO a plus bon pour vous. Ouais, pendant les 6 voltes là, si vous avez KO, la brage une excuse pour question élection qui a parlé et la bonne pour gagner comme tout. Il y a privé, non, il y a un moment où vous avez une entente sur quelque chose là. Puis vous faites temps passer, puis vous venez devenir, il y a un gouvernement d'Ariel Henry qui pas réglé rien, mais qui fait temps passer. Et tout le temps qu'il y a bon, l'impression, et après, et ça a réglé là, question pour pas gagner, sur tout petit ça que vous faites, tout petit côté qui allez. Pour yon mouton qui a avancé, ça a le soukou de rage pour remettre que population, li pratiquement trouvé dans situation pour voir que yon tap travail. Mais malheureusement, yon mal agi, yon pas agi sous chantier qui plus important, chantier de sécurité, yon pas agi sous li. Si yon agi sous chantier qui lié avec question sécurité, que les civils sont responsables, yon permet de yon aller mieux, la situation yon garantie yon, et yon tap et pren l'allongeant, population va la dire rien. Mais kounye yon pral trouvé,
non situation quand on prajoine soulèvement général quand on prajoine haïtien en dans pays d'Haïti a manifesté ou prajoine haïtien qui à travers monde là surtout aux États-Unis d'Amérique il pral manifester après élection États-Unis 7 novembre cabinet là ou des personnes li pral bay une autre conception avec haïtien qui vivent aux États-Unis parce que si admettons que c'est Donald Trump qui rive président moun sa pral senti que yo menacé par rapport avec déclaration que Donald Trump a fait kounya ou pral besoin que Haïti li gen stabilité ou même pour retourner la caillou laisse à la valance laisse à conseil présidentiel transition avec neuf membres blancs yo pral gen obligation pour son bagage quand même et ouais je dis tellement important des civilness ouais m'a nous ba qui clair ouais élection 5 novembre qui va venir là aux États-Unis hein. Gen la kap di, oh, et qui était haïtien gen l'élection 7 novembre nan? Men non. Ou pral wè importance li. C'est même Jean ou wè ke Luis Abinadel, li vin re li encore président se domaine, et koun ya wè la ke question déportation sa. Comment bien ça me dit, hein? Ou vin wè importance, ou pral wè importance élection 7 novembre États-Unis, hein? Entre Kamala Harris et Donald Trump. C'est si tout ou a, c'est à Donald Trump qui t'a bon. C'est laisse on pral wè comment haïtien bon m'a veut dire bon, immigrant aux États-Unis mais comme c'est haïtien nouye m'a parlé pour Haïti ou pral comprendre que immigrant haïtien qui aux États-Unis eh ben yo pral vivre aux États-Unis ça qui doit pas ka marcher ça cap tout la gen nan maon ça pas jamais ka sorti et laisse ça si vraiment que moun ki pral perdre job yo tout. Exactement. Parce que au gain droit États-Unis mettre là depuis Donald Trump li passe ensemble des mesures, m'a connait couper question bagaille TPS et quatre travail fini pas carré renouvelé patati patata. C'est comme ça là Haïti là hein. Laisse déjà dit ou un discours campagne li, c'est un discours anti immigrant et dans je dis oui, haïtien particulièrement pour n'y a songer dans Springfield Ohio, te gain ensemble prétendu américain. Qui dit que haïtien yo vinn pour travail yo empêcher yo jeune job et Donald Trump lui même comme raciste li pral dire qu'elle a créé possibilité pour permettre que peuple jeune travail mais ça en pile monde pral trouver une situation difficile yo pral perdre job yo et légal ou bien pas légal yo pral chercher des alibi quand même pour yo montrer que pas qualifié pour job là et puis encore des secondes on pense que plusieurs milliers haïtiens alors millions haïtiens ça qui ici mais puis milliers haïtiens ici a et qui pas capable travail et ici border ici même aux États-Unis selon ça que nous connaissons apprendre moun ba hospitalier aux États-Unis hospitalité comme si moun ba za mon cher vin fait 3 jours non mon cher ka vin font 2 3 jours ka vin pou ka la go faire même 1 mois même ka faire même 2 mois même mais ouais allant 4 5 6 mois bord non moun n'a pas ka kever le bou parce que foyer dépressé pression bill là nan col laisse ça ou même qui va pas travailler et au grand monde imagine ou ap lever chaque jour manger ou boire ou bien ou faire tout bagaille laisse ça ou pas comprendre ou pas ou même comme ça tout ces gens gêné mal à l'aise et laisse ça ou pas dire pour qui ça bande voler ça yo bande assassin ça yo bande camoquer ça en Haïti yo pas arrangé pays parce que pas pour mentir moi toujours dis ça on même pas d'accord avec gien mon qui Haïti qui Haïti qui t'a bien vivre. Ou pas dit ins a bon moun nan insécurité li ba gaxe ensemble de bagay. Bon oui parce que ça pas li s'il va gen moyen s'il va gen moyen et ça pas li de côté le terre à tout lui-même mais gen moun ki Haïti peut-être selon côté lien li gen possibilité accès pour l'hôpital pour fréquenter puis l'hôpital qui gagne en Haïti m'pa konnen li gen accès pour que li capable manger jan vle li gen accès pour gen petit cali parce que Haïti gen moun ki gen piscine la caillou. Mm-hmm. Il y a des caillots qui ont appartement, qui ont des piscines. Cap jus qui a pris plaisir. C'est comme ça que je dis. Cap jus qui a pris plaisir en Haïti. Mais alors, il y a des gens qui, Angel, s'il était aux États-Unis ou bien au Canada, il fait caillot en Haïti, il mettait exactement la même structure qu'il était capable aux États-Unis. Il connaît les États-Unis, il n'y a pas fonctionner sans Internet, il y a Internet qui est dans le caillot. Il connaît pas qu'à fonctionner sans courant, il y a courant qui a, il y a un système qui soit, il y a ici qui cabale le vent, s'il besoin vent, s'il besoin frise. Il gère toute question, il crée un standard lui-même, il retourne la calibre capable. Malheureusement, en plus, le monde a perdu ensemble ça qui a été créé dans le pays. Exactement, que laisse ça, je dis là, et compatible avec mon qui déplace, passe par frontière, et ma connaît, mon qui vient par l'humanité, pour Gam Biden. Yo, je dis à guerre des réalités, mon qui a vivre, bode, guerre des mon qui pas dire, man. Mon qui pas dire.
Et je dis à comprendre nous monde qui peut être Sylvie Nil dit mon cher après les pral dans la quarantaine et quarantaine cinquantaine et soixantaine ni mon cher la font décision pour le capable et à vivre dans pays mais souhaiter pays bon la investir dans pays parce que mon jusqu'à raison malgré Jean Haïti la cap investir Haïti vraiment ah malgré Jean Haïti là il dit maintenant Haïti a bon l'air. Haïti a bon l'air. Il dit, même j'en ai le cahier, mais next à qui là, il dit, mais à gros, il y a table de sécurité. Il y a mettre des cahiers PKP, il y a fait toujours comme si, il y a fait élection quand même. Mais il y a des gens qui croient comme ça tout. Il y a des gens qui croient que pendant Haïti, pour que vous sécurité, mais lui-même, la rassemble les forces et tout, la fait que prévention là, Kaili. Parce qu'il croit, parce que, bon, en plus, l'étranger volé à Haïti, ça, la ONG baga qui est en mission. Il y a Haïti. Il y a GPOG. Ah, on peut avancer ça. Il y a des projets là, dans le moment, en pile là, yo. Étranger qui a quitté projet en Haïti. Mais oh, blaise. C'est Haïti qui a venu dans le pays, monsieur. Toute journée, nek jevet, cheve kalalou, couleur blanche, qui a venu dans le pays à chaque jour. A fait avec barbecue. Non, c'est pas celle qui a vu. Seulement, tant qu'on dit là, tant qu'on et monsieur, dame qui est dans le gouvernement, et qui dans l'organisation, pardon, non gouvernementale américaine, qui vient là, en dedans le pays, et quel te OIM, quel te PAM, et tout ça, le DEA. Il y a tout le monde dans le pays. Et il y a les zones que moi-même avant, nous ne pouvons pas aller. Parce que c'est au commissaire eux-mêmes. Oui, monsieur, parce que c'est crise là, avec crise fait capital. Et oui, il y a toujours prêt pour avoir un rapport, Blaise. Rapport, bilan sur le monde qui a couru, bilan sur le monde qui est en difficulté, il est toujours prêt. Ça, nous devons comprendre que c'est un business qui a fait avec. Non, de rapport à situation, c'est l'ICABAYO existence. Rapport situation, et l'ICABAYO existence, ma président encore. Rapport et les cabaux existentiels. Parce que Léo dit, c'est le programme alimentaire mondial, il y a presque 6 millions de monde qui n'ont pas goût. Yeah, à mon cher, laisse ça, mon cher, bah, il y a deux fois des caisses de goulage. Les UNICEF a dit, bon, et il y a plus que 25 à 30% de ces gens qui n'ont pas d'activité criminelle. À mon cher, UNICEF a dit que c'est goulage. Elle dit, je dis, avant de commencer à faire ça, elle dit, Haïti, c'est business en pile organisme international. Haïti c'est business en pile pays étranger parce que crise haïtienne situation haïtienne yo jeune côté pour écrire pour du rapport et yo jeune côté pour faire demande on va le dire pour faire demande que comprendre bien ça haïtien là lycée de gros questions lycée de gros questions à poser et question ça yo c'est qui est-ce qui a répondu et qui est-ce qui décide de répondre. Comme on a décidé de faire analyse, d'a fait questionnement. D'a fait analyse, d'a fait questionnement. Mais faut dire non, ça guerre là, ça qu'a passé là yo. Est-ce que on peut continuer à vivre yo? Parce que en sérieux. Désir avec que dans ces jeunes garçons, gars dit OK Blaise, désir mon cher n'a pas été vivre dans pays nous. Nous qu'a voyager, comprendre, mais n'a pas été vivre dans pays, n'a pas investi dans pays nous. Donc on y a fort des conditions qui pour créer pour que moi avec des qui font quoi arrêter investir dans le pays, hein? OK, investir dans le pays pour nous capable de bagarre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que investissement nous deux va permettre 3-4 monde jeune opportunité pour répondre avec des familles parce que vous avez travaillé même ça va les prendre qui ça va investir nous là mettre un petit PME là un petit PME capable de gagner 3-4-5 monde à travail. Mais faut me garantir que ça m'a investi en un bon matin n'est pas venir crasser n'est pas venir bouler n'est pas venir tuer n'est pas venir kidnapper moi-même. Dit c'est ça le besoin. Sécurité là paix ça le besoin. C'est l'in besoin oui. C'est pour comme si d'abord permettre que nous capable si qu'il est libre Jean Olé ensemble de accès avec ensemble ça n'est les droits fondamentaux mon yo que yo jouis de droit ça yo. OK? Yo jouis de droit ça yo et puis permettre que tout que a gain de conditions qu'a créé des infrastructures qu'a créé et qu'a rendre que monde capable de fonctionner libre dans le pays. Bon malgré tout ça entendez là c'est vrai dans moment ça là en pile factory fermé parce que à cause des insécurités à cause des bagages mais quand même gain tout fonctionner il y a une zone difficile d'accès tout. Yeah, malgré tout c'est insécurité à la cause plus des centaines de milliers mon cap travail dans la factory, pas travail aujourd'hui, non? Nous comprenons ça. Est-ce que l'État lui-même, est-ce que l'État pense avec ça? Parce que moun sa ou là, cap, ouvrier sa yo, qui pas travail là, vous imaginez? C'est deux moun qui ont une famille sous couture,
Kounya, Marie pas travaille parce que Marie a été ouvrier, madame pas travaille parce que était ouvrier tout. Kounya là ni fa, ni madame ni Marie a acheté dans cala. Tout acheté dans cala. Il va faire rien. Et je dis hein, on veut que chaque monde comprenne. Le que chaque monde garde ensemble pour nous voir ça qui gagne et ça qui existait en avril. Et je dis à mes qui comprennent exactement tout que si tu as son pays hein, et ça qui a passé ça gagne hein, eh bien c'est encore coller ses épaules, c'est encore plus d'un coude pour que nous fait et pour nous bien faire pour capable c'est nous-mêmes qui gagne bataille. Nous-mêmes qui pour gagne bataille ça. Bataille paysan, bataille peuple pour elle. Et pas ban politiciens traditionnels yo, et pas ban racketeur yo, et pas ban mauvais affaire yo. Mais c'est nous-mêmes qui pour gagner. Et nous pour gagner. Et je dis, crois que c'est ça pour lui. Je crois que c'est ça pour nous comprendre et c'est ça pour nous garder. Désir, entre-temps, j'aime de dire, hein, bataille exécutif, exécutif, et m'a parlé de Gaïkoni et puis Kapété, ok? Gaïkoni et Kapété, je dis, hein, m'a compris que, eh bien, bagay la babiti. Koni dit que yo sin capable retirer un ministre moué. Ne le mesure de ministre galien sin capable retirer. Et les civils t'ap foncé. En tout cas, les Haïtiens, nous allons dire les civils t'ap. Embassé moi des affaires commentaires sur lui. Installé dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous, par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la barque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfecit puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les 9 conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés. L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène,
représentant différentes sensibilités politiques du pays, se trouve depuis plus de 4 mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population. Il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue, en consultation avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des 2 budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de transférer ses matériels et équipements aux forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Ça veut dire là, il va changer directeur, directrice, organisme, l'État autonome. Donc, on dit, ça veut dire là, et l'ONAP va gagner un changement là-dedans. L'ONAP ou AVCT, qui est-ce qu'on est capable de faire? Dans le département là, Tibonite, nous connaissons ODVA, il va changer directeur là-dedans, il va le passer. Exact. Et nous-mêmes, nous pas trop à ça. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemple. Oh, quand il y a ULCC tout, oui, Fab. Bon, bah, ULCC, il y a un problème, n'est-ce pas? Quand il y a la couleur, quand il y a un paquet qui va venir là, parce que c'est organisé l'État, oui. En tout cas. D'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Sécurité. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. Bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leur soutien et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. N'a pas continué à avancer sous terroristio, sous décision qui prend dans l'État. Dans le moment n'a pas là, nous pas qu'au satisfait. Police la doué bay pi bon résultat. Faut que moun suspend kouri ki te kayo. C'est pour citoyennes ak citoyens tourner circuler dans pays sans problème. Pour nous arriver dans résultat nous besoin,
faut que personne dans l'État pas chercher politiser force police là. Comme police là, tu dois travailler avec principe, avec professionnalisme. N'a travail pour force loi renforcer plus. C'est comme ça m'a informé PIA. Moi fait que soit écrit secrétaire général des Nations Unies pour demander Conseil de sécurité à changer mission appui à sécurité à la mission maintien la paix. C'est une façon pour force l'audio qu'a joindre plus bon support bon côté zanmi nou yo dans communauté internationale. État d'urgence qui était déclaré jour qui était 8 mai, il est toujours kembé. Si situation a mandé pour les renforcer, nous pas hésiter faire ça. N'a travaille tout pour mettre campé Conseil national de sécurité à Jean Accord 3 avril l'a mandé ça. Jusqu'à présent. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti. C'est un gros pilier dans le système sécurité pays là. Soldat la méo, bah, tout mais n'a quoi paix sécurité qui jodi a c'est plus gros malheur pays là. Mais la mère nous t'écrasé là vraiment bien toujours. Ça va c'est écrasé lui. Comme ça conseil présidentiel là, t'es arrivé mettre un autre général en tête la mère. Nous t'ai tout profité faire un passé main dans état major. Quoi gagne pour renforcer pi plus. Objectif là c'est pendant période transition hein, permettre un total 2500 jeunes filles et jeunes garçons viennent ajouter sous effectif blâmer ça. Ça m'a dit pour nous faire dépenses dans infrastructure tant que caserne, tant que centre formation. Pendant jour ça yo, conseil présidentiel là travaille sous toute nécessité qui vient là. Mais tout faut que moun ki nan la meya konnen, yo pa ka tourner faire erreur tant tant yo. La meya c'est une institution qui la pour défense territoire. C'est avoir un gros honte pour tout corps. Il y a qui a espoir dans quoi ça, les politiciens veulent faire le tourner, ils ont zam pour satisfaire ambition paille. Ah, là, M. Wabikoni. Bah, il faut oublier pour des maxons. M. Wabikoni. Parce que quand tu as joué, tu as dit, est-ce que tu as battu avec? Exact. Bon, ça, t'as dit, mais mes amis, n'est-ce qu'il peut jouer pour un bagage pour capable satisfaire ambition politique? Est-ce qu'il y a même? M'attendez, est-ce qu'il y a même? Bon. Attendez, les cap connu, les cap dit Philippe tout, parce que son ensemble et appelle Guillaume, qui a pris la mer, qui a pris la police pour que ça. Oui, mon nom, depuis après la mort, c'est à GB Sabio. C'est comme quoi, l'État va prendre Guillaume, c'est à papa, comme si on est Guillaume là, mais comme si ça a parlé là, ça ne s'est pas parlé avec Guillaume. Mais même les États-Unis perdent, dernière déclaration de Guillaume. Bah, dis n'est-ce pas perdre Guillaume, bah, ça me dit non, mais m'dou que. Et monsieur parle avec Gary Conny. Très bien. Pourquoi il a parlé là, monsieur? Vous satisfait, ambition paille. Justice. Compatriotes, moi, yo. Pendant moi qui saute passé là, yo, conseil présidentiel la travaille en pile sous dossier pouvoir judiciaire. Pays nous rêve à pape cafet sans justice, jam. Si nous voulons qu'il y ait violence, faut que justice la renforce. Faut que tribunal yo fonctionne. Faut que juge yo fait travail yo avec conscience. Sans passe pour qui? Conseil présidentiel là, depuis l'installé, il prend décision pour justice l'arrêter indépendant. Pendant moi qui saute passer là, pas un juge, ni officier judiciaire, qui a dit l'été recevoir pression et menace bon côté pouvoir. Nous voulons pour ça continuer, n'a pas en pile pour ça. Avec recommandation conseil pouvoir judiciaire, conseil présidentiel là pral bay commission pour 84 magistrats pour divers tribunaux dans le pays. Gagnent c'est mandat qui renouvelé. Gagnent l'autre c'est promotion yo joine. Faut que moi dis nous ça fait après vérification. Après vetting. Tous ces juges qui étaient dans passé sans problème étape certification yo. Nous féliciter yo pendant n'a mandé yo kembe dignité caractère yo, continuer travail sans faire passe pour qui. Justice là doué indépendant. Mais tout, faut que tout citoyen qui besoin justice là, qu'a joué une justice sans casser tête. Ça y est, l'accès à la justice là, c'est un droit grand d'être majeur, tout le monde gagne. Il n'est pas possible pour le monde passer en pile l'année dans prison sans lui pas une chance de passer devant le juge. Il n'est pas possible pour un monde obligé de quitter zone la caille, dépenser en pile l'argent juste pour arriver côté un juge. C'est pour ça, conseil présidentiel de transition, tu prends une grosse décision d'ouvrir 5 nouveaux tribunaux dans l'arrondissement qui n'ont pas gagné. Je cite le tribunal première instance dans l'Imbé, tribunal première instance dans Ville-Ouanamet, tribunal première instance dans Jean-Rabel, tribunal première instance dans Belade. Citoyens sous île et la Gonave, pas besoin de Jean-Bélamet pour venir régler les affaires de justice.
ville en Sagalé, il y a un tribunal première instance parli tout. Ma panne, c'est nous. Jean sa prévoit dans l'accord 3 avril là, conseil présidentiel là, il y a un mettre sous pied commission qui pour organiser réforme système pénal pays. Haïti, c'est côté système pénal là, a fonctionné avec loi qui est ancien. Monde là évolué. Société yo a évolué. Faut que justice là évolue tout. Nous remercions les citoyens qui acceptent de participer dans la commission qui a responsabilité pour faire l'état recommandation pour justice là améliorer. Moun, nous t'ai choisi yo, c'est moun qui a en pile compétence. Yo gen temps à travailler sur un pile projet décret. Avant longtemps, conseil ministre pral gen pour pencher sur projet décret ça yo. Ça fait presque un mois depuis nous prend arrêté pour mettre campé commission vérité, justice et réparation. C'est sept monde qui fait réputation dans la défense droit monde. Yo gen responsabilité pour aider faire lumière sur un pile massacre. Quoi assassinat, kidnapping, avec l'autre zak malhonnête et criminel, moun sans foi ni loi yo fait. Faut que lumière faite pour justice kabay. C'est un élément important pour la paix et réconciliation qu'a fait tout côté dans le pays. Élection. Transition a dû réussir. Vle par vle, faut que 7 février 2026, Jean sa prévoit dans l'accord politique 3 avril là, avec Jean décret 23 mai. 2024 la mandel. Yon président qui sorti, mais yon présidente qui sorti dans l'élection, doit prendre. Ça m'a dit, ma cabine, Marisel, si son j'ai. Il va pas. Qui ça fait Rosemila petit frère pas ca rachon mon situation qui vient à Kaya là je veux dire sans doute et en pile monde a dit c'est parce que Rosemila petit frère dit c'est une partie prenante dans ça qui vient là parce que en pile fois quand t'as des bandits ou à dénoncer quoi monde qui te compte distribuer ça dans Kaya exact place dans tête pays pouvoir législatif là doit recommencer fonctionner commune New York section communale yo c'est monde qui sorti dans élection qui pour en tête yo. Ça m'a dit pour disposition prendre pour élection réalisée pendant l'année 2025. Comme ça, semaine qui s'est passée, nous avons installé même conseil électoral provisoire. Kepl arrivé campé. C'est un gros bagage. Nous avons travaillé pour les fins complétées, mais ça n'a pas empêché sept personnes qui l'ont commencé à travailler. Pas de temps. Nous devons commencer à travailler pressé pour mettre machine électorale à camper. Le gouvernement travaille pour Kepl arrivé jouer un moyen pour lui fonctionner. Nous t'a souhaité que dans un temps qui pas en pile, Kepla voye bay conseil ministériel un projet décret électoral. Dans conseil présidentiel transition, n'a travaillé tout pour lancer conférence nationale là pendant comité pilotage là avancer avec réforme constitution. Transparence. Pendant n'a concentré soumettre Kepla campé, n'a avancé avec quelques autres institutions qui prévoient dans décret 23 mai à accord 3 avril. Ça va prendre un pile temps pour mettre campé organes qui pour contrôler action gouvernement. Jusqu'à vous dire. Les OCAG. Nous avons démarche pour choisir monde qui pour entrer dans institution ça qui a importance li dans GFO n'a fait pour l'état central là travaille chaque jour plus dans transparence. Poser transparence là c'est une priorité pour conseil présidentiel transition. Belle une institution qui a une grosse responsabilité pour contrôler comment la dépenser, c'est la Cour des comptes. Mandat, même la Cour des comptes, yo, te gen tan rive nan bout depuis avant le conseil présidentiel là t'es installé pendant que pas qu'il y a moyen pour nommer l'autre membre. Qui te poste ça au vide, capable de coûter pays à en pile. Comme ça, yon nan première décision conseil présidentiel là te prend. C'est permettre prolonger mandat même ça yo en attendant institution qui vient pour faire ça mettez sous pied. C'est comme ça tout, nous te prenons décision pour prolonger mandat commission qui pour contrôler comment l'état a acheté ça qui relait les marchés publics dans département nord et dans département sud pays. N'a profité mandé toute institution qui pour combattre corruption pour faire public la ouais clair dans façon l'état a prendre décision dans façon l'argent l'état a dépensé. On fait travail à conscience. Dans le respect de la loi, il y a un pays en pile service. Diplomatie. Dans le jour où
C'est avec cœur serré chaque jour, on a regardé comment l'autre pays a voyé ça ak frère nous yo tourner. Gagnant yo c'est dans avion. Gagnant c'est dans bateau. En pile c'est sous frontière. Ça pas fait l'honneur nation pour nous. Pendant jour qui s'est passé yo, nous évaluer toute institution qui dans l'état yo cap avec la société civile là, qui façon pour ça ak frère nous yo joindre un plus bon accueil les autorités l'autre pays mené yo tourner. Qui j'en pour haïtien qui a voyé, y a voyé tout n'est yo, qui a joué un pi bon encadrement, les rives sous tes ça qui la caille. Pas oublier, nous y a un pile compatriote qui a travaillé dans l'autre pays. Souhait travail yo permettre, un pile moun vivre, un pile ti moun aller l'école ici. Y a besoin de protection dans le pays, côté yo trouvé yo. Pour ça, faut que diplomate nous yo pi bien formé, pi vigilant. Diplomatie nous a besoin yon bon passé main. Nous travaillons sur un gros plan de modernisation de la diplomatie. Nous. Mais ça ne va pas faire ni dans la bouillie vidée, ni dans la tête chaude. Ouverture des classes. Entre l'école, l'arrivée faite. Nous tous connaissons. Combien sont les cas fait un examen exposé? Une condition qui est difficile. N'importe l'école qui n'est pas arrivée à l'ouvrir. Il y a côté violence et insécurité pour permettre l'école de fonctionner. C'est un gros tête chargé pour le conseil présidentiel. D'un côté, c'est l'école qui recevoir ce ak frère nou yo k'ap couri pour insécurité. C'est là obligé poser dormi yo pour un petit bout de temps. C'est une tristesse les nous garder. Pile sous pile dans l'école yo. Ça pas belle même. Ah ça abri permanent. Problème insécurité doit résoudre pour permettre yo retourner la caillou. Ça ka résoudre yo. Dans ville yo. En attendant, nous devons traiter yo avec dignité et avec respect. Nous demandons au gouvernement travail sur un plan pour mettre toute famille sa yo, toutes ces ak frè nou yo, yon côté yo ka senti yo, yo ka senti que la vie vinn meilleur pour yo. Nous saluons les parents ak famille yo qui fait gros sacrifice pour permettre ti moun yo joindre pain l'instruction. Professeur ak tout moun kap travay nan système nan. Yon coup de gros chapeau pour jefò n'ap fè. C'est devoir l'État pour mettre plus l'école, employer plus professeurs, payer tout. Nous avons un budget pour l'année 2024-2025 là. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui joue un plus gros morceau. Ça montre nous place éducation pour période de transition. Écoliers, étudiants, universitaires, vous représentez l'avenir. Vous n'êtes pas une réserve de force de travail pour des pays étrangers, mais les artisans d'un futur plus glorieux pour ce pays, votre pays. Mettez-vous au travail. Malgré les difficultés du moment, sachant que le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui travaillent, celui de demain appartiendra à ceux qui se forment aujourd'hui. Chers compatriotes, l'avenir d'Haïti est avant tout entre nos mains. Nous devons le penser et le construire ensemble. J'espère que la conscience citoyenne aidera les uns et les autres à réaliser que nous avons perdu déjà trop d'opportunités et nous avons trop d'échéances à rattraper. Les prochains mois seront déterminants pour la réussite de la transition et pour avancer vers ce futur que nous, Haïtiennes et Haïtiens, caressons depuis trop longtemps. Cela va demander plus d'efforts, plus d'abnégation pour consolider nos institutions. La force d'une nation vient de la capacité de ses dirigeants et de ses élites à identifier l'intérêt commun pour dessiner l'avenir avec harmonie. C'est pourquoi nous devons tous nous dépasser, transcender à tout moment nos divergences et évaluer ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir. Nous n'avons pas le droit à la tergiversation, nous n'avons pas le temps pour les égos ni pour les querelles de chapelle. Si la transition échoue, il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Je vous remercie de votre attention. Vive Haïti. Et là, on dit que Lestie Voltaire, M. Fessé, en conférence bilan. Bilan, bon, bien que le poko gagne un mois, on a dit M. gagne 18 jours. C'est simplement ça, parce que nous, je n'ai quitté vendredi à faire M. 18 jours. Parce que nous, c'est 7 octobre, M. était remplacé Edgar Leblanc, c'est pas vrai? Eh bien, monsieur fait un ramassage dans bagaille là pour montrer que clairement que et met tout ça que KPT a fait. Alors il va pas dans le venir non, mais met tout ça que KPT a fait depuis que le prend gouvernement pays.
OK? Et m'gen monsieur que baye monsieur Badi, peut-être monsieur est certain. Et mais l'essai est dit essentiel parce que ouais, avant même d'entrer dans le développement point yo, après l'annoncer point yo, et justice, corruption, économie, et anti-politique, élection, tout ça yo. Mais est-ce que ça qui est plus important yo, vraiment insécurité? Dans tout point, monsieur annoncé là yo, insécurité seulement pour l'État de faire toute partie, tout temps, et bah monsieur, et disque monsieur. Parce que je dis, hein, tout ça, monsieur Abdi yo là, si pas gagné, sécurité vraiment, ça, l'autre va représenter rien. Mm-hmm. Si pas gain sécurité, hein, nommé juge, mettez capé si, mettez capé ça, yon pas voulait dire rien. Parce que je dis, hein, l'État prend disposition pour capable l'ouvrir ensemble de tribunal. Mais et pas date, non? Tribunal section, sud, pas trop, zone policier, tout ça. Pas m'gal l'ouvrir, non? Mais get tribunal section est, zone villa ma botou 2004, ça va m'gal l'ouvrir, non? Non, là, tout prenne gè kafou aéroport. Yeah, gon tribunal section nord, si m'ba trompé, non, et tout 2004. Tout 2004, et sous chaîne masse. Et tribunal section est. Ah, yeah, 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 exactement, tribunal, et kafou aéroport, parle ou même? Oui, oui. Yeah, exactement, m'le m'a parlé, yeah. Ok, ah, mon cher, ça va m'gal ouvrir, mon cher. Et gè on tout d'abord, gè section nord, qui l'est même trouvé, et dans la zone Bois-Lissé-Bétion. Section nord. Majorité tribunal n'est pas fonctionné, Blaise. Démissé tribunal qui est dans la région métropolitaine, non, majorité pas fonctionné. Et ou kawe ça, même là avec un pile avocat et un pile parent justiciable, quand c'est vous qui êtes en prison, vous venez de ça désir. Mm-hmm. Avocat dit que ça a vu, ils vivent de dossiers, cap traité, cap discuté, il y a procès. Tribunal, procès. Mais imaginez-vous, tribunal fermé, mais bon, par la justice. Nous connectés en bas, puis ça tenait là. Ça qui presque presque 3 ans, 10 mm-hmm. ans, c'est pas trop. Et bon, bien que nous avons un dossier, le place là, il est là pour le loger par la justice, le ministère de la justice, m'a connu ça lié. Et pour les alliés? Bon, je vais vous dire que l'État en processus pour le gagner. Bon, l'État en processus, mais okay. Ensemble actionnaire, pourquoi j'aime d'accord? Pourquoi j'aime d'accord? Machin dans le jeu, est-ce qu'on a un gros moyen? Il y a une discussion parce que, bien que nous fait qu'on apprend que ça c'est décrété tout pays, mettre chez Massa comme. Et d'utilité publique? Elle dit là, l'État, il va le mettre. Anti-bio, l'État, il va le mettre. Non, mais décrété d'utilité publique, il y a un schéma, il y a un marche à suivre. Exactement. Parce que il y a respecté ensemble marche à suivre. La situation, il y a une grosse information dans la République, oui. Ambassadeur pays les États-Unis en Haïti, hein, Denis Hankins, lui confirmé que l'ambassade là, de temps en temps, parlait avec chef gang de pays. Ça a dit. Bon, on y a lieu pour Ned qui dit c'est chef en Haïti. Cherchez qu'on est qui ça ambassade américaine toujours dit avec chef gang. Songez que Jimmy Cherizier lui te dit qu'elle compte parler. Et bien, je dis hein, dans le point. Denis Hankins, les pratiquants consumés, dit qu'il y a qu'on parle. Et il est tellement avancé. Ou après que monsieur pratiquement est en jeune, qui groupe n'est qui t'a tiré sous espace et ambassade américaine? Qu'est-ce que j'ai dit? D'après ça, CNN fait qu'on est. C'est gang 400 Marozo, action méchant, qui tire sous des machines qui lié avec ambassade américaine. Cependant, pas aucun monde qui est victime pendant l'attaque ça. C'est sa porte-parole, département d'État, dit Miami Herald. Yon na machine blende yo, c'était pour chef mission. Denis ok? Gen yon trou bal qui al tombe nan yon nan fenêtre yo. Et puis, gen yon bal qui krasé vite derrière. Bon, machine de blende, puis, c'est parti calibre. Yes, oui. Machine de blende, autant de cartouches krasé vite, les idées de son qui la donne, et balade kap mélange, problème à y assemble de kap tout résoud. Parce que, nèg yon nan problème nan. Si nèg yon commence à couler là, faut que commence à prendre responsabilité nous, hein? Uh-huh. Faut que tu commences à tomber dans le pays. Ya. Parce que l'on fait mal là, ou l'on fait mal de keo. C'est explication, yon sous bail, journal et Floride là, par rapport avec augmentation activité gangyo dans le pays d'Haïti, dans zone ambassade là, dans zone tabac. Responsable américain aussi, yon pral commencer yon processus évacuation qui a touché jusqu'à 20 membres dans le personnel diplomatique là qui trouvait dans le Port-au-Prince dans le pays d'Haïti. Allez, n'est-ce que senti ou pas à l'abri? Bah, la commence à pas avancer sur yon, et faut qu'il continue à avancer. Je veux dire, si monsieur Genzam, c'est pour une vie de tous les âmes dans son égo. C'est pour continuer. Tant que Pierre Espérance, t'as qu'à dire, si mes coups d'âme sont égo.
si mes coups d'âme sur yo, parce que c'est eux-mêmes qui mettent problème non. Si vous avez résolu, vous avez résolu. C'est parce que beaucoup de gens attaquent vous. Et je vous dis, vous devez mettre barbecue, vous devez mettre tirapli, vous devez mettre Nixon, vous devez mettre Meyer, vous devez mettre Jeff Canaran. Nous tous, nous, si j'ai à mourir, n'a mouri quand même, ou bien nous allons en prison. Quand le monde sait qui mettait dans sa nouille, ou pas de problème, ou mourir quand même comme si les États-Unis ont passé dans tété. Ils ont dit que vous mettez 2 millions derrière, et comment vous les habitez dans 1900, vous mettez 1 million derrière l'homme sans jour, et puis tout le monde n'a pas la veille. Et puis qu'on y a nous même comme peuple nous croiser bras nous n'a prétendre même nous venir avec solution pour nous n'a quitter sorte la situation en avancé ben regarde pas pas des députés Denis Hankins ça sim ka fait un article là monsieur il n'a pas trop long parce que m'ghetto en bas j'aime là c'est important monsieur opportunité monsieur l'ambassadeur depuis quelque temps notamment depuis le week-end dernier les bandits sortent de leur trou les bandes criminelles pour tenter de s'imposer ou encore de gagner de nouveaux territoires. Vous êtes présent sur le terrain, vous êtes en Haïti et vous vivez comme nous autres cette terrible situation. Quelle est donc la réaction de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince? Ah, bien sûr, nous sommes préoccupés avec ces actions des gangs comme toujours. Alors, c'est les gangs qui toujours attaquent la population, qui veut déstabiliser la vie de chaque Haïtien. Mais je pense en même temps, c'est un certain signe de succès. On a vu que avec les actions du gouvernement d'Haïti, avec l'appui de MSS, il y avait des tentatives de prendre l'un des leaders des gangs. Et ça a créé, je pense, une réaction. Même dans notre quartier, il y avait des efforts pour trouver Vitalhomme. Avant, il y avait les attaques directes contre Barbecue. Alors, je pense qu'il y a une certaine préoccupation des gangs qui maintenant, ils voient qu'il faut réagir dans un certain sens. En même temps, avec les attaques déplorables contre la population Artobonite dans les autres villes, on a vu les tentatives des gangs de créer des crises dans les autres zones du pays, puisque les ressources qui sont limitées de sécurité doivent être divisées. Mais en effet, nous savons qu'on a vu que c'est avec un certain courage que la police nationale, l'armée nationale, les éléments de MSS, ils sont engagés même dans notre quartier aujourd'hui et dans les autres régions du pays. Parce que nous savons soit de TP, de conseil présidentiel, soit de premier ministre, nous savons que tous les Haïtiens, ils cherchent un big win, quelque chose de concret qui peut montrer que même avec les ressources toujours limitées, qu'il y a cette capacité de faire face aux gangs. Alors pour nous, c'est la priorité des priorités. Comme vous savez, la semaine dernière... Mm-hmm. Et monsieur, après péter même pas la police, il était marqué pour inviter l'homme, il était attaqué barbecue. Et bon, alors que barbecue lui-même, bon, en tout cas, maintenant avec Denis Hankins, qui est ambassadeur des États-Unis en Haïti, mais qui ne va pas prêter toi pas avec lui parce que il est vraiment en pile, mais après au moins 2 minutes là-dedans encore, s'il ne va tomber. Priorité. Comme vous savez, la semaine dernière, il y avait une visite en notre officiel de Maison Blanche de notre Conseil national de sécurité. Et là, le message était de notre appui pour la sécurité nationale, pour le progrès national vers des élections, vers des réformes, mais aussi de dire que c'est pas le moment maintenant d'avoir des divisions politiques, soit au niveau de TPC, de CPT, soit au niveau du gouvernement avec les chefs d'État. C'est le moment de concentrer, d'être unis dans ces efforts contre les membres de gang qui, depuis longtemps, a voulu détruire la vie de chaque Haïtien. Je demeure quand même confus à entendre le terme succès de... Et un gars de pour nous, si un gars pas besoin de partir ça plus rapide, Daisy, peut-être qu'il y a plus facile pour nous. Et bon, exactement, Denis Hankins, un gars de pour nous.
et on garde bon ouais c'est quand même plus rapide et puis on fait mon entendre exactement comment que Denis Hankins monsieur montre clairement que qu'on discuter et parler avec quelqu'un armé bon là encore son problème n'y est toujours Des États-Unis, négociations peuvent venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entrée d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Est-ce que vous... C'est pour sécurité l'ambassade là, elle va aller guécher avec Gangameo. Il parlait de temps en temps avec Nagyo. Yeah. Elle dit pour Y'a sécurité, moqué. elle parle avec comme si ambassade là. Maintenant, comprenez. En tout cas, il faut que c'est bon, il va vous aller les yeux. Négociations peuvent venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? Non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entrée d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Merci d'ici d'avoir croisé dans mes mon frère. En tout cas, ainsi va la vie. Merci Blaise.